T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de cette saison 2 sur le jeu Stellaris. Et donc, plusieurs petites infos avant de commencer. Tout d'abord, j'ai une autre souris, c'est-à-dire que en fait, je suis actuellement en test pour cette souris qui est une SteelSeries, je sais plus combien, attendez, je regarde. Une Rival 500, voilà, je suis actuellement en test pour le site Geek Mexicain où je teste cette souris. Je me suis dit, c'est une souris qui est faite pour MOBA et MMO, je me suis dit, autant la tester aussi sur d'autres jeux. Donc, vous inquiétez pas si j'ai l'impression de rater beaucoup plus mes clics que d'habitude, c'est normal, je viens de changer de souris, ça fait à peine 2 jours que j'utilise. Deuxième chose, je suis désolé, à chaque fois que j'essaye d'enregistrer avec la caméra, il y a un décalage qui se fait au fur et à mesure, je ne sais pas d'où il sort. Et un peu tant pis, j'arrive pas à le régler par la suite, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très très grave, hein. Normalement ça devrait aller. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce début d'épisode. On va aller partir en guerre contre la Jurine République, on va leur rouler dessus parce que franchement, leur armée c'est pathétique. Ça va être drôle, allez c'est parti. Allez c'est parti, on va relâcher un petit peu le jeu. Donc on a 34 sur 34 en termes de capacité navale, on peut pas en avoir plus actuellement, il nous faut plus de population, plus de spatioports, il nous faut pas mal de choses. Il faudrait que je choisisse un spatioport ici aussi, mais il faudrait des spatioports un peu partout. Parce que là on va se retrouver effectivement face à un problème, c'est qu'on a que 2 spatioports et le meilleur est évidemment dans notre planète mère qui est ici. Et c'est pas tout à fait à côté, surtout si on veut faire des gros vaisseaux. Enfin bref, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. On a un vaisseau de classe 3 et pas mal de vaisseaux de classe 2. Alors... Non mais non, qu'est-ce que je fous là? Là c'est la question, on vient de rentrer dans le... Oh merde. Où ça? Station under attack? Dis-moi où? T'as dit station under attack. Là-bas? C'est tout? Ah non, c'est juste un vaisseau scientifique. J'ai envie de dire, vu la puissance militaire qu'ils ont, je pense que... ça va. Attendez, je vérifie. Ouais, non, il y a un vaisseau scientifique ici aussi. En fait, c'est juste qu'ils avaient des vaisseaux scientifiques qui se baladaient. Et du coup, forcément, s'ils arrivent ici, bah, ils galèrent un petit peu. Il va se faire défoncer. Donc. Alors. Ok, donc là, il y a de la puissance militaire. Évidemment, c'est les copains. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non. Attendez, pause. C'est la première fois que je suis en guerre, hein, donc... Enfin, que je suis en guerre, que je mène une guerre. On va bien voir. Normalement, on doit pouvoir faire un bombardement orbital là-dessus. On va leur rouler dessus. Ouais, d'accord, ils sont en train de se faire défoncer. Station under attack. Oh, station under attack. Où ça? Ok, c'est toujours les... Il y a toujours des vaisseaux... qui se baladent. On est tranquille. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ici? Qu'est-ce que vous allez faire? On a pas mal de vaisseaux. Normalement, on doit pouvoir faire quelque chose là-dessus.
Qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire? Communiquer. Ah. On a rencontré des nouveaux gens. Voilà, ok, c'est bon. Bonjour. Oui, il y a autant de trucs ouverts là. Ah. Mais on est censé être en guerre avec eux, hein, je crois. Hein. Ouais. Et comment je fais pour les attaquer? Comment je fais? Quoique je dois pas pouvoir les attaquer forcément. Alors là, il y en a. On va essayer d'aller voir du coup là-bas, sinon on peut directos aller du côté de leur planète mère. Il y a le système Sol aussi qui se balade par ici, c'est un peu bizarre. Dans l'idée, moi j'aimerais bien récupérer cette planète-là. Si on récupère cette planète-là, et si possible celle-là, hop, on doit pouvoir regrouper tout ça et on doit faire un sacré empire. Mais pour ça, il faudrait qu'on gagne la guerre, mais je sais pas comment. Oui. J'ai pas énormément d'énergie en fait, hein. J'ai pas. Où est-ce qu'ils en sont ici? Peut-être que j'améliore mes trucs d'énergie, mais je crois que j'en ai pas assez. Alors, ici, faut que j'arrive à faire quelque chose quand même. On accélère un peu le temps. Mais non, j'ai mis en pause. Elle va enquêter. Ah! Voilà. Bon. Rapide. On va engager la. Ok, c'est juste le vaisseau de. Famine, au moins une de vos planètes sont. Ah merde! Une de mes planètes souffre de la famine. Bon. Alors, comment je peux faire ça? Donc, je construis le truc et je mets là. Et toi, je vais t'améliorer. Ok, c'est bon. Alors, ici, qu'est-ce que je peux faire? System survey complete. Je vais défoncer les. Il y a tellement de trucs. Accélère un peu le temps. On va défoncer les. Voilà, rapidement les. Impact oblique, ok. Situation log update. Bim, roulez dessus. La question c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Research complete. Ah, nouvelle recherche. Composant sentinelle de défense. Ça peut être pas mal là au niveau de l'énergie, ça peut être intéressant. Hostile fleet engaged. Il y a des tout petits trucs là que je suis en train d'engager, c'est pas très grave. Bon, c'est pas une grosse guerre, mais en même temps, je sais pas trop quoi faire. On va peut-être aller voir du côté de la planète mère. Pas grand-chose à faire. Ah, j'ai une nouvelle recherche qui vient de se terminer. Ah, voilà, le spatioport de niveau max, ou quasiment. Composant plaquage de cristaux impégnés, révèle la ressource Garantium qui permet d'augmenter les points de coque du vaisseau. Escadrille de chasseurs bombardiers. Ah, il y a de ces trucs là. On va me dire, on a suffisamment de points de recherche pour aller assez vite. Peut-être ça. Ça peut être pas mal.
Bon. On va défoncer ça. Ah, les vaisseaux scientifiques, ils ont fini. Ah ouais, d'accord, ici il y a un gros empire. Alors, qu'est-ce que je pourrais reconnaître? Ça. On devrait pouvoir mettre un mode auto pour ce genre de reconnaissance, parce que c'est long et chiant et ça sert pas à grand chose. Voilà, normalement là je suis peinard. Bon, alors ici, hein, c'est pas tout ça, mais. Voilà, vachement de 12. Ouh. C'est pas tout ça, mais j'aimerais bien que cette guerre soit terminée. Communiqué. On en est où de la guerre là? On devrait pouvoir faire quelque chose. Oh la vache, la masse de planètes qu'ils ont sur leur système mère. Ah, vaisseau scientifique. L'autre vaisseau scientifique a fini. Alors toi, tu vas aller. Ici, ici. Voilà. Tu vas faire le tour. Ok, c'est bon. Oui, je sais, je sais. Ça va aller vite. J'aime bien, ils arrivent à se tirer à cette distance-là, alors que techniquement, ils doivent être super loin. Alors. Comment je fais pour attaquer au sol ? Merde. Non. Ah bah alors. Ça devrait pas être si compliqué. Bon, peut-être que je vais chercher du coup. Je vais regarder. Hein. Je vais commencer par chercher. Alors ça y est, en fait j'ai trouvé, c'est tout simplement les autres planètes là en fait, sont gardées par le Commonwealth of Gavaskul, donc ils occupent les places, et en fait ici ils occupent pas dans cette planète, dans ce système ils occupent pas, du coup on est actuellement en train de bombarder la planète qui se trouve ici, voilà. On bombarde gentiment. Bombardement orbital. Au niveau des armées, ils ont pas grand chose. Donc ouais, on va les défoncer. Et ça fait monter en fait la jauge qui est ici. Voilà, ce qui permet d'augmenter le score de guerre et c'est ce qui va donner en fait le vainqueur de cette baston. Alors là, c'est possible que eux ils viennent me chercher des noises. 43? Quoi? Pourquoi 43? Ah bah oui, je viens de rajouter plusieurs spatioports. Alors eux, c'est possible qu'ils viennent me chercher des crosses. Ah non, ils viennent bombarder aussi, j'ai l'impression. Ah oui, c'est le Commonwealth de Gavaskul, d'accord. Ok. D'accord, d'accord. Parce qu'il y a aussi l'impérial du Nogaku machin de Dominion qui peuvent potentiellement venir les aider, mais ils sont un peu loin. Ouais, ils sont là. Ah putain, ils sont pas si loin que ça. Ok, donc en fait on est plutôt pas mal. Donc je vais en profiter. Je vais repasser en mode normal. Le spatioport, je vais le monter au niveau 5 pour pouvoir faire des croiseurs. Parce que ça, c'est très très violent. Ensuite. Faut que je regarde la surface. Il y a normalement possibilité d'améliorer des trucs. Tu veux pas t'améliorer toi? Hop.
C'est vrai que j'ai pas des masses d'énergie, il va falloir que j'améliore tout ça. Hein. Ok. Pourquoi tu veux pas t'améliorer, soit? Et si c'est de capital planétaire? Au moins 10 pop. D'accord. Donc je suppose que j'ai... Non, ça va, j'ai de la pop. Ici. Ah bah voilà, je peux améliorer des trucs. Je vais construire des centrales parce qu'on en a besoin. Voilà. On est bien ici. Au moins 5 pop, on ne les a pas encore. Donc là, ça va. Et pourquoi ils ont récupéré le... Merde! Ok, bon, on s'est fait virer d'ici. Genre du sale, hein. Parce que du coup, ils possèdent tous les... Oh la vache! On s'est fait totalement avoir. Eh! Alors attendez. On est pile à 50-50. Bon bah tant pis, je crois qu'on va rester en guerre pendant 20 plombes. Et tant pis. Voilà. Ça c'est fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut gagner du score de guerre en faisant des trucs, genre des batailles spatiales, les objectifs de guerre, des blocus d'occupation, les scores de guerre. Enfin, le score de guerre, c'est le total. Et ensuite, ça donne un pourcentage de défense victoire. Et à la fin, on peut négocier une paix. Le problème, c'est que, ben, y a plus rien en fait. Ils nous ont tout pourri. Il n'y a plus aucune possibilité ou presque de. Hein? Ah, il y a peut-être quelque chose là, on dirait. Non, attendez, on va aller voir. Si, si, il y a des trucs là. Il y a des trucs. Bon. Fait la paix, d'accord. Il y a eu un accord de paix parce qu'ils se sont fait défoncer. Ouais, c'est ça, ils se sont fait défoncer. Du coup, ils ont récupéré cette planète-là. Ouais, bah ouais. Ah oui, mais du coup, moi, je vais pouvoir récupérer les planètes. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, attendez. On vire ça. Situation log updated. Ok. On va se déplacer rapidement. Je vais aller m'occuper de ces planètes parce que de toute façon, ils sont plus en guerre. J'arrive, ils détruisent les spatioports. On va rapidement pourrir ça. Bon, alors moi, il faudrait que je m'occupe un petit peu aussi de tout ce qui est énergétique parce que actuellement, c'est la base. La bonne grosse base. Remplacé par un centre, une centrale important. Alors on va le pourrir. Le spatioport est fini. Yes. On peut faire des croiseurs. Ah, ça coûte cher, mais on peut faire des croiseurs. Je vais faire trois croiseurs parce que ça va être violent. On va les bombarder ici, je pense, gentiment. Ah la vache, ils ont plus rien du tout. Alors, nouvelle recherche. Capteurs subspatiaux, d'accord, ça permet d'aller plus loin. Oh, lanceur de plasma. Lanceur de plasma, on commence à avoir des sacrées recherches. Alors, on va voir si je peux pas faire d'autres trucs au niveau énergétique. Non, pas des masses. Wow. Il y a des grosses grèves.
Pas trop ce qui se passe là. Je crois qu'ils avaient plus de bouffe. Je crois qu'ils avaient plus de bouffe. Donc là, on bourrine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la flotte en deux. Je vais aller là-bas, parce que de toute façon, ils n'ont plus rien. Je vais aller envoyer la première Starfleet à Genigan. M'en occuper. Les pourrir rapidement. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Censé bombarder. Bombarde. Ok, ça, ça est fait. Ils viennent détruire le spatioport. Je comprends pas pourquoi ils détruisent le spatioport à chaque fois. C'est très bizarre. Hop. Donc là, on est bien. On va aller mettre un blocus. Le problème, c'est qu'ils ont plus de bataille spatiale possible. Du coup, bah, tout ce que je vais faire, c'est les bourriner à coup de bombardement. Voilà, là, je suis à 15%. Sharon Kandar, c'est où ça? Ah bah oui, mais forcément, elle a été libérée, elle leur appartient à eux. Ah! On peut encore rien avoir. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai... Il n'y a plus de flotte. Je fais comment? Et le Dominion machin, ils sont où? Ah oui, d'accord, eux aussi ils ont quasiment plus rien. En guerre contre Confédération Kiskildarienne. Ah oui, mais c'est parce que c'est une double guerre. Donc en fait, je pourrais les maintenir ici. Ce que je vais faire, on va faire un truc comme ça. Non, mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez voir, on va faire un truc, ça peut être pas mal. On va diviser cette flotte. Et on va diviser celle-là. Donc toutes les flottes sont en bombardement. On va tout ramener. Les petites flottes ici, on va les ramener là-bas. Ok, la First Starfleet, on va la laisser là. Ici, elle construit encore des croiseurs. Donc, je pense qu'elle en aura pile assez au niveau de la population. On est bien. Et en fait, on va attaquer de l'autre côté. On va attaquer de l'autre côté à l'aide de nos nouveaux vaisseaux. Et de la moitié de nos flottes. Parce qu'en fait, les autres, elles sont très très bien. Elles peuvent toujours bourriner. Il n'y a plus aucun vaisseau ici. Donc, le blocus peut rester. C'est pas un problème. Voilà, donc on va faire ça comme ça. On va quand même essayer de s'en sortir un petit peu. C'est le bordel, hein. C'est clairement le bordel. En plus, j'ai pas du tout assez d'énergie. Alors, expirera. Il y a une grève. Si tu pouvais finir d'expirer. Ah, d'accord, elle se relance. Pourquoi? Bah, ouais. Carte des étoiles. File-moi la carte des étoiles. Nice! Comme ça, j'ai même pas besoin de te rechercher. Je t'ai filé la mienne, tu m'as filé la tienne. Donc on a des bonnes cartes ici. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a un problème, c'est que il y a des factions importantes. Il y a des factions importantes chez nous. Réprimées. Alors attendez, putain, c'est le bordel.
Nouvelle recherche. Je suis un petit peu paumé, je suis désolé. Complexe d'ingénierie 3, propulseur à plasma. Un réseau minier, ça peut être pas mal. Donc. On a un problème. Cette planète, ça va. Cette planète, ça va. Le Polgara, c'est bon. Ici, ça m'a l'air d'être bon. Il se fout encore dessus. C'est ici. Il faut améliorer le bonheur de cette planète. Et comment que je fais ça? Les banques de la faction séparatiste de cette planète sont en grève, ce qui réduit la production. Ok. C'est des séparatistes. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais? La planète n'est pas occupée, pas de quoi. J'en fais quoi? Je sais pas. Réprimer peut-être? Bon, je vais faire réprimer, tant pis, hein. De toute façon, j'ai suffisamment de. T'as la vache, s'il commence à y avoir des factions en plus chez nous, ça va être un bordel. Alors, rencontrer des gens-gens. Le bon gros bordel. Alors, où est-ce qu'ils en sont, mes Starfleet? Ils sont pas encore. On va accélérer un peu le temps. De ce côté-là, on va bientôt finir. Alors, attendez, les croiseurs sont bientôt finis. Construction complete. Ok. On est au max, on est bien. J'attends qu'ils arrivent. Hop, et on va tout fusionner. Ça va me faire un truc à un peu plus de 1000, on va être bien. Allez, fusionner. Vous voulez pas fusionner? Ça y est. Donc, on a fusionné, on va pouvoir attaquer, mais je pense que ça sera tout simplement dans le prochain épisode. Ça fait un petit bout de temps que j'enregistre. Je suis désolé pour cet épisode, un petit peu un épisode de la galère, parce que j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Et puis surtout, en fait, c'était une double attaque, c'est un peu le bordel, ça allait pas. Système solaire, cool. C'était vraiment le foutoir. J'espère quand même que ça vous aura plu, vous inquiétez pas, normalement dans le prochain épisode on va avoir un peu plus de baston, ça va être un peu moins le bordel, j'ai un peu plus compris comment ça fonctionnait. J'espère que cet épisode vous aura quand même plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis quant à moi on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!